maintenant je vais mettre coller le pouce chauffant. Là, je peux passer tous les câbles. Alors là, le fil rouge sur le bouton rouge. Alors, le flash de la poignée, on les met là. L'autre poignée, voilà. Et là, c'est le chauffage du pouce. Le pouce, on le met là. Voilà. Et après, il ne reste plus qu'à brancher le rouge sur la borne plus de la batterie et le noir sur le moins. Voilà, donc là tout est branché. Les fils passent dessous la poignée. Hop là. Hop. Voilà, tous les fils sont raccordés ici. Et après. Voilà, donc j'ai rattaché donc le fil ici. Faut que je le remette en place. Là c'est la borne plus ici et le moins ça ici. Voilà, là, tout est branché, il n'y a plus qu'à tout remonter et puis ça marche. Voilà, je vais tout démonter là ici devant, il faut remonter là, il y a deux pièces à remonter et après c'est bon. Donc là, on va voir si tout fonctionne. Je démarre. Là, tout va bien. Alors là, il faut. Alors là, j'ai déjà pré-réglé maintenant. Là, on peut régler. Ça reste allumé. Alors voilà, il faut voir. Normalement, je ne pense pas que ça s'éteigne tout seul, mais voilà, on fait un appui lent et voilà, tout s'éteint. Voilà, je pense qu'il ne faut pas oublier ça, autrement ça risque de vider la batterie. Voilà, allez, sur ce, et bien vous voyez, tout marche bien. Voilà. C'est nickel.